Voilà, Philippe Collin, on revient vers vous puisque la situation était assez cocasse lundi du côté de la Suède où Mark Wilmots a surpris son monde en disant que le contrat n'était pas encore signé. Qu'en est-il quelques jours plus tard ? C'était sur le point d'être signé. Hein. Tout ça, disons que ça a peut-être été dit un peu trop rapidement parce que, disons, avec tous ses adjoints, tout est en bonne voie, tout est en train de se terminer. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu un manque de communication entre les deux parties ? Un petit peu, peut-être. Un petit peu, peut-être. Mais je ne m'en fais pas autre mesure, puisque tout roule. Tout va dans le bon sens. Est-ce qu'on peut s'attendre à une officialisation de cette signature d'ici quelques jours ? Je n'ai pas les dernières infos, parce que c'est Steve Martin qui est occupé. Mais je ne sais pas vous dire exactement le point de la situation, mais je sais que ça évolue favorablement. Est-ce que vous n'avez pas des regrets finalement que les choses se sont passées de la sorte alors que ça aurait pu être beaucoup plus clair plus tôt ? Vous savez, ça donne un peu d'agrément, ça donne un peu d'ambiance. Non, je prends ça dans le contexte où ça doit être pris et pas plus que ça.